Ni. Oui, Corban, 2-1 pour Kenzoza TV. Ah, oh, je suis jamais passé sur ta chaîne. Voilà, c'est je suis. Ta chaîne. Oui, je suis. Ah, mais cool. Je suis avec Antoine 2A, Anne 2A, ma fille, et Alexandre 2A pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Ah, c'est pas trop 2A. Je précise qu'on est dans la forêt de l'Hospédale. On est près du lac de l'Hospédale. Et il y a du brouillard. On vient de pique-niquer. Il y a du brouillard de partout. Vous allez découvrir le plus gros don qu'on m'a jamais fait de l'année. Non, parce qu'en fait, non, on a eu des gros dons. Non, mais celui-là. Je peux pas vous dire ce que c'est avant le générique. Il faut que vous le voyez. On va voir ce don merveilleux. Je remercie Cédric, je l'embrasse très fort pour ce don qui nous a fait incroyable. Vous allez voir ça de suite après le générique. Nous revoici maintenant à la maison avec le fameux trésor. Le trésor qu'on a ramené de l'Hospédale. Dans le barrage. Alors c'est sûrement le plus gros don qu'on m'a fait cette année. Hein. Désolé, hein, Draven Astaroth qui a donné beaucoup de choses. Je pense aussi à Jean-Jacques qui a donné sa Dreamcast en boîte avec des jeux, avec plein de... Il y avait du lourd, je suis d'accord. Mais là, Cédric, il a placé la barre très très haute, je le remercie. Et tu as vu, je suis... Oh, pourquoi lui, on le voit bien et moi non? Mais un peu, voilà. Oh, stop! Donc, nous allons procéder maintenant à l'ouverture du trésor. Ouvrez-moi le trésor. Alors c'est pas moins de 14 jeux NES qui m'ont été offerts par Cédric, hein, à qui je passe le bonjour. Allez, premier jeu, je vais vous montrer, c'est que des jeux NES en boîte en super état. Wild Gunman. Gunman. Alors Wild Gunman, c'était un jeu au pistolet. Et c'est un jeu que l'on voit même apparaître dans... Retour vers le futur. C'est quand il va dans le futur, c'est dans le froid. C'est quand il va dans le bar là. Le western. Non, pas le western. Là, c'est dans le passé. Western, c'est dans le 3. C'est dans le 2. Ouais, le western, c'est dans le 3. Le western, c'est le 3. Le 2, c'est le futur. Le 1, c'est le futur aussi. Et la notice est en superbe état. Et il y a même le petit sachet autour de la cartouche. C'est vraiment un état extraordinaire. Ensuite, j'enchaîne vite fait avec Dragon Ball. Est-ce que j'ai besoin de présenter ce jeu? Alors celui-là n'est pas vraiment un jeu original parce qu'il a été inspiré d'un autre jeu. Enfin, il a été... C'est comme s'ils avaient fait un mode d'un autre jeu existant où ils ont changé juste les sprites et les musiques, parce qu'il y a les musiques qui ressemblent un petit peu plus à l'univers Dragon Ball. C'est le premier jeu en français. Il me semble que c'est le premier jeu, corrigez-moi, de l'histoire sur NES en français, avec les textes en français. L'aventure commence. Il était très très lent, hein, très très mou, hein, en version française, hein, par rapport à la version japonaise qui est identique, mais qui du coup avec les 60 Hz donne un meilleur rythme. Voilà, j'essaye de remettre la notice qui est un tout petit peu pliée, hein, mais ça ira très bien. On les mettra dans des boîtiers en plastique. Troisième jeu, s'il vous plaît. Cobra Triangle. Alors Cobra Triangle, c'est un jeu de bateau. En 3D isométrique, hein, c'était des poursuites et vous pouvez balancer des roquettes, tout ça, tuer les ennemis, les méchants et des boss. Hein, et super bêta également. Est-ce qu'il y a la notice? Et il y a la notice. Bah après, bon, je la montre parce que sinon ils vont dire ah, c'est pas vrai, il a menti. Non, je ne mens pas. Sachez le Cobra Triangle. Ok. Troisième jeu, s'il vous plaît. Quatrième. Gunsmoke. La fumée du gun, du pistolet. Alors celui-là, c'est un jeu que j'ai jamais eu, hein. À l'époque, on l'avait pas eu. Il me semble qu'on y avait joué un petit peu, mais on nous l'avait sûrement passé une fois, mais ouais, ça a l'air plutôt d'être un espèce de jeu en vue du dessus, avec des cow-boys. Ah, vous incarnez Billy Bob, et on va quand même regarder.
Apparemment, c'est inspiré d'un jeu d'arcade, Gunsmoke, de Capcom. Alors, en général, Capcom, c'est pas de la merde. En général. Voilà, on reconnaît le, on va dire les couleurs Capcom, hein, le bleu, là, le logo jaune. Ensuite, Bubble Bobble, Capcom. Là, tu montes l'arrière, idiot. Voilà. Bubble Bobble, voilà, c'est une des premières versions, aussi adaptation d'un jeu d'arcade très connu, hein, qui a eu plusieurs adaptations, plusieurs suites, hein, notamment sur Neo Geo également. On montre le dedans ? Oui, tout à fait. Je vais le faire moi, parce qu'il y a le sachet, mais pas que. Ah, et si, il y a que. Il y a bien le sachet. Alors, par contre, petite remarque, le fourreau Nintendo, c'est pas le sien. Hein, je veux pas jeter la pierre à Cédric, hein, mais quand en fait c'était les jeux Nintendo, de Nintendo, ou alors vraiment les derniers jeux, hein, après sur les derniers jeux sortis sur NES, tous avaient le fourreau Nintendo, mais sur les premiers jeux, sachez qu'il n'y avait pas écrit Nintendo sur le fourreau, sauf quand c'était Nintendo qui éditait le jeu. Voilà, c'était la petite anecdote. Ensuite, Goal, donc un jeu de foot. Voilà, un jeu de foot tout à fait en vue du dessus. C'était pas un jeu extraordinaire, c'était pas facile à jouer. Mais en tout cas, la cartouche là est dans un état mint. Menuchin mint. Les gens adorent quand ils disent Menuchin mint. Alors là, il y a même le petit sachet dedans. Encore une fois. Et la notice qu'il n'a jamais lu. Après, voilà. Faut taper dans le ballon et en fait il n'y avait que deux boutons aussi sur la NES, hein, c'était assez simple. Hein. Tu découvrais les commandes assez rapidement quand même, hein, sur les jeux NES, même si tu lisais pas la notice. Mais bon, c'était toujours utile, hein, de lire ces petites notices. Il reste plus qu'une barre. Jeu suivant. Batman, sûrement un des meilleurs jeux de la console. Batman de Sunsoft. Alors des musiques, des graphismes extraordinaires, j'ai même plus besoin de le présenter, ce jeu, il est devenu mythique. Alors je l'avais en loose, maintenant je l'ai en boîte, c'est magnifique. Alors ce jeu a connu également une suite, hein, qui est encore meilleure, mais comme il est sorti après la sortie de la Super Nintendo, il est passé un petit peu aux oubliettes, c'était le Joker Revenge, hein, de Sunsoft également. Donc la suite est aussi bonne, mais celui-là reste cultissime, ça reste the référence quand même. Ensuite, Solomon Keys. Alors Solomon's Keys, c'est un petit jeu d'aventure. Celui-là, j'y ai jamais joué, hein, et c'est peut-être l'occasion. Voilà, il a le fourreau, il a. Oh, on peut même encore s'inscrire au club Nintendo. Oh super. Et sa petite notice. Donc voilà. Là y a tout là. Là y a tout là. Promenez. Alors. Suivant. Top Gun, hein, on l'avait déjà en loose, mais bon, là on le récupère en entier. Top Gun, jeu d'avion, bah, inspiré du film du même nom, hein, j'ai pas besoin de présenter non plus le film avec Tom Cruise. Donc voilà, c'est un des jeux d'avion les plus connus, hein, de la console avec Captain Skyhawk. On avait acheté à l'époque exprès le joystick, hein, pour avion, hein, Captain Skyhawk, pour avoir plus de sensations, et du coup je l'avais récupéré sur un vide-grenier à Paris, et on essaiera d'y jouer avec le joystick, essayer de retrouver les sensations d'époque. Top Gun de Konami. Jeu suivant. Stealth. Un jeu d'avion, je pense. Stealth ATF, on sait pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, c'est un jeu d'avion auquel il a très peu joué parce que la boîte est en état nickel en tout cas. Il y a encore le sachet. Bon, il y a encore le fourreau Nintendo qui ne doit pas être le sien parce que je ne crois pas que ce soit un jeu Nintendo celui-là. C'est quel éditeur ? Ah si, c'est peut-être Nintendo, j'ai rien dit. C'est Nintendo, pardon. C'est un jeu Nintendo. Donc c'est son fourreau. Tout va très bien. Et sa petite notice en couleur est à l'intérieur. Super. On enchaîne avec... Ouf, alors celui-là, beaucoup de choses à dire, mais je vais être assez bref. Shoot 'em up, interminable, sans fin, faut savoir. Mon frère l'a fini en fait. Et en fait, la fin, c'est tu recommences. Non, c'est qui là ? C'est lui qui était frère ? Ton papa. Ton papa. Ton papa à toi ? Votre papa ? Mon frère.
C'était Rudy. Non, Rudy, non. Je pense que Rudy, il a vite abandonné à ce jeu-là. Moi aussi, j'ai joué très peu. Même quand mon frère jouait, on peut jouer à deux, hein, d'ailleurs. Mais je crois que c'est deux en alternance, c'est pas en même temps. Je suis pas sûr qu'on puisse jouer à deux en même temps sur cette version. Peut-être que la version arcade, oui. C'est un jeu de Namco à la base. Hein, là, ici, un jeu d'arcade, hein, donc de Namco. La musique est. Elle est interminable, c'est toujours la même tout le long du jeu. C'est, il est dur, il est très très dur. Très très dur. Ah, il a réussi à le finir. Je pense que c'est le seul homme dans le monde qui a réussi à finir Xevious, qui est ici en très très bon état. Hein. Très très bon état, il est complet, je ne vous sors pas tout, mais il est complet. Attention là, oula, énorme. Là, lourd. Là, c'est du lourd. Là, c'est le jeu le plus lourd, on est d'accord, il fait 3 kilos. Megaman. Megaman 1. Le premier. Alors, c'est vraiment le premier jeu qu'on avait acheté sur NES. Là, c'est mon frère aussi, votre papa, qui avait eu le frère. Le flair. je vais le frapper. Le flair à l'époque. Hey, tonton, il n'arrive pas à parler. Qui avait eu le flair de l'acheter. C'était notre premier jeu sur la console. Moi qui étais abruti hein, par les pubs à la télévision, je lui disais achète Super Mario, achète Super Mario. Il me dit non, tout le monde a Super Mario, donc on va acheter Mega Man. J'ai fait oh putain. Et puis on a essayé ce jeu là, c'est une révélation. La jaquette mythique, hein, regardez, peut-être là on voit mieux. La meilleure jaquette d'ailleurs hein, par rapport à la japonaise et à l'américaine. On a eu quand même la meilleure illustration hein, de jaquette de Mega Man. Qui reprend voilà, quelques personnages, hein, Gutsman, Fireman et Eggman. Et puis là, on voit le poing de quelqu'un, mais je sais pas. J'ai jamais vu l'illustration en entier, d'ailleurs, ce serait marrant de voir si on peut retrouver ça. Et là, il est évidemment complet. Complet, il n'y a pas le sachet. Le fourreau noir, donc c'est le sien. Et la notice. Voilà. Qui était. Cassé. De 100 euros, on passe à 10. Alors, il y a. Ouais, il y a la version française hein, dedans de la notice, c'est super. C'est un avion qui passe. Ah. Oula, alors beaucoup de choses à dire assis sur celui-là, je vais essayer d'être bref. Alors, les Chevaliers du Zodiac. Les Chevaliers du Zodiac, ça aussi, ça fait partie des jeux pour lesquels je me battais, hein, comme Dragon Ball pour les avoir, alors que mon frère me disait. Non, n'achète pas cette merde, n'achète pas cette merde, parce que papa il lisait beaucoup les magazines de jeux vidéo, moi pas. Même s'il les achetait pas, il les lisait en librairie. Bon, il était au courant que c'était une daube. Il a fallu quand même que je l'essaye pour vérifier que c'était effectivement une daube en français. Hein, ça reste de la daube française, hein, la cuisine française est quand même une cuisine assez c'est connu mondialement. Version française, ça oui. Hein, comme Dragon Ball, mais voilà, un jeu vraiment loin du niveau hein, de ce que ça devrait avoir, du niveau de la série, quoi. La série, ça reste... Mais le jeu, c'est... Voilà, c'est malheureusement. Pour la collection, c'est quand même sympa de l'avoir. La Légende d'Or. Il me semble qu'il y en a eu un autre de jeu, Chevalier du Zodiac, qui est sorti seulement au Japon. Mais bon, il est pas, c'est pas grave. On l'aura pas eu, c'est pas grave. Le dernier... Gyromite. Alors, je sais pas si on dit Jeromite, on demandera à Katia. Alors, ça, c'est un des seuls jeux auxquels on peut jouer avec Rob le robot, hein, qu'on avait rentré il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, je passe un petit coucou à Max, d'ailleurs, hein, qui m'a confié hein, son Rob le robot d'époque. Et du coup, on va le tester très prochainement. On va essayer de faire une vidéo prochainement avec Marco pour tester Jeromite. Version Jap, parce que j'ai aussi la version Jap et version française pour voir si notre robe fonctionne toujours correctement et s'il y a effectivement des compatibilités entre version japonaise et version française du robot. On finit, il nous reste un tout petit peu de batterie, on finit avec les jaquettes, les boîtes vides. Il m'a quand même donné quelques boîtes vides en plus de cette belle quantité de jeux. Dr Mario, boîte vide, mais avec notice. Duck Hunt, très bien, jeu au pistolet. Que la boîte. Voilà, c'est le jeu de base mythique que tout le monde connaît, hein, qui était vendu très souvent avec la console et le pistolet en pack, en bundle. Tennis. Tennis, jeu de base de tennis, voilà, avec le design que l'on connaît. Il y a le fourreau Nintendo. Il y a le fourreau, mais pas le jeu. Et la notice aussi. Et la notice. Donc le fourreau Nintendo, comme je vous expliquais, comme c'est un jeu Nintendo, c'est le sien. Il y a très grande chance que ce soit le sien. Silent Service. Alors, il y a une vidéo hein, du JDG, du joueur du grenier,
sur ce jeu infâme hein, de Konami. En tout cas, elle a la boîte est propre. La boîte est nickel, ouais. Elle a réussi à traverser les décennies en très très bon état. Que reste-t-il? Kung Fu. Kung Fu. Avec la notice jeu et le truc. Jeu de base voilà, de la NES, hein, c'était un des premiers jeux, comme vous voyez sur le design de la jaquette. Kung Fu, hein, voilà. Je n'ai jamais eu, mais je sais que c'est pas forcément un des meilleurs jeux de la console. Il en reste un? Oui. Ah, hey, it's come the hero turtle, super snuggle hero turtle. Hey, it's come the hero turtles, super snuggle hero turtles, yeah, come the hero turtles. Tortue Ninja, voilà, ça aussi vu dans le JDG, jeu mythique, jeu extrêmement dur. Avec le notice, c'est le fou. Qu'on a tryhardé, hein, mais bon, qu'on a réussi à finir hein, malgré tout, mais très difficile. Ouais, ouais, ouais. Je pense lui a réussi à le. Je dis, oh, c'est lui, hein, c'est pas moi. Hein. Moi je le regardais, je faisais ouais, ouais, ouais. Mais bon, il était très très dur sur tous les niveaux dans l'eau. Alors la jaquette, quand même très curieuse. Hein, regardez, ils ont tous le bandeau rouge. Et le jeu ça, ne s'appelle pas Ninja, mais Hero Turtles. Hein, voilà, il y a plusieurs explications. Donc voilà, c'était mon petit problème de caméra, mais c'est pas grave, on a réussi à tout présenter. Merci pour ce don, hein, Cédric, je sais qu'il va essayer de me trouver d'autres choses et essayer de me les donner. Donc on est très ouvert à ce genre de cadeaux, sachez-le. Ça vaut tout l'or du monde pour nous. Alors je vais pas estimer, hein, vous estimerez vous si vous voulez en commentaire tout ça, la valeur hein, de ces objets. Pour moi c'est inestimable, ce sont des trucs qui a priori ne sortiront jamais de ma collection. Pourquoi tu places David Lafarge Pokémon? Le jour où il nous offre une carte, quelque chose qui a de la valeur, qu'est-ce qu'il va nous offrir? Il va nous offrir ses boosters ouverts, là. Tiens, prends le plastique, dégage. Hein, d'accord, parce que personne fait de la pub pour nous, à part Retropad, à qui je passe le bonjour. Merci, il a fait de la bonne pub pour nous. Ah. On se retrouve prochainement, je sais pas quand, je réponds à un appel, et à très bientôt, bye bye. Avec une bonne musique. Allô ?